aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver sur une vidéo cuisine. Donc je vais surtout répondre à la question comment manger healthy le matin. Tout simplement, il faut changer ce qu'on a dans nos placards. C'est la simple réponse. Et en fait, vous verrez que quand vous arrêterez d'avoir tout ce qui est les céréales industrielles, les gâteaux industriels, bah vous allez forcément devoir manger healthy, donc avec des fruits, à base de céréales, des trucs complets. Il y a plein de possibilités, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Mais à partir du moment où vous avez par exemple soit du yaourt, du lait végétal, il y a vraiment plein de choses à faire. Et je vais vous montrer deux petits exemples aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc on va faire aujourd'hui des avocats d'auto, donc des toasts à l'avocat avec des œufs. Donc dans un premier temps vous allez devoir prendre des galettes de riz. Donc soit des galettes de riz, soit des galettes de maïs si vous préférez. Une assiette. Moi je vais m'en faire trois. Et je vais prendre un avocat. Donc je vais d'abord couper l'avocat. Ça dépend là ce que vous préférez, soit vous l'écrasez, soit vous prenez des morceaux comme ça entiers. Moi j'aime bien le prendre entier. Et je vais venir faire des fines lamelles. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais... Donc là je vais commencer à faire mes œufs une fois que mes avocats d'auto sont prêts. Pourquoi? Parce qu'en fait les œufs ils sont hyper rapides à faire vu que je vais faire des œufs brouillés. Vous pouvez faire toutes sortes d'œufs, hein, c'est selon vos préférences. Donc je vais d'abord mettre un peu d'huile sur la poêle. Donc soit vous faites des œufs brouillés, soit des œufs sur le plat pour les mettre, soit des œufs pochés, c'est vraiment selon vos préférences comme je vous l'ai dit. Je vais venir casser l'œuf. Je vais baisser un peu le feu. Et en fait l'œuf cuit tout de suite, le but pour un œuf brouillé c'est bien sûr de toujours touiller. Ce que vous pouvez faire aussi c'est ajouter du lait végétal dans vos œufs, c'est comme vous préférez, si vous préférez plus quelque chose de crémeux. Vous voyez c'est déjà prêt, c'est hyper rapide. Donc je vais venir verser les œufs sur les avocats. Franchement là il n'y a rien de plus simple. Et franchement c'est hyper bon. Ça c'est un truc salé, je vous proposerai un truc sucré juste après. Mais je vous conseille de manger salé si vous avez toujours cette sensation de faim à partir de... Bah, quand c'est pas encore l'heure de manger, par exemple 11h, 10h, si vous avez déjà faim. Je vous conseille de manger salé le matin parce que ça va vraiment donner l'impression d'être plus rempli, d'être plus rassasié. Le sentiment de satiété. Ensuite vous assaisonnez avec ce que vous voulez, sel, poivre, sort d'épices. Moi j'aime beaucoup mettre la cannelle, aussi bien pour les trucs salés que sucrés, je trouve que ça va hyper bien. Voilà, ça fait plus joli, plus de couleur. Et vous pouvez ajouter des fruits si vous aimez bien sucré salé. Moi j'aime bien ajouter des blueberries, des framboises, des trucs comme ça. Vous pouvez mettre des petits morceaux de banane, tout ce que vous voulez. Les petits déj, je trouve que c'est assez libre. J'ajoute des petites graines de lin. C'est super bon pour la santé. Moi j'ai toutes sortes de graines. Ce que je vais me faire avec ça, ça va être aussi quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Des fois je le mange même tout seul. Je prends du yaourt et soit des muesli, soit là j'ai du Birchers qui vient d'Australie. Mais sinon je peux prendre des muesli tout simplement, ou même mettre plein de morceaux de fruits. Donc ce que je fais c'est que je prends du yaourt nature. Si vous voulez des yaourts qui n'ont aucun glucide, si jamais vous cherchez à sécher, perdre du poids, etc., je vous conseille les yaourts soja sun. Mais sinon moi j'aime vraiment beaucoup ceux-là qui sont à la noix de coco. J'aime beaucoup le goût. Donc c'est des yaourts nature à la noix de coco. Et dedans vous, voilà, vous vous faites plaisir, vous vous mettez des morceaux de fruits, du muesli, des noix. Vous avez compris l'idée, des fois je mets des bouts de banane, des fraises. Et j'ajoute aussi des petites noix. Parce que en ce moment j'achète beaucoup de noix en vrac, c'est super bon pour la santé. Noisettes, des noix de cajou, des noix du Brésil, des amandes. Et ce que je peux faire aussi c'est sucré au miel. Donc là ça n'a pas l'air joli aujourd'hui, mais si vous mettez des trucs colorés, des framboises et tout, c'est super bien. Et des fois je sucre même un petit peu au miel ou au sirop d'agave. Donc voilà pour les petits déj d'aujourd'hui. Donc on va faire la recette maintenant sucrée. Donc je vais faire des pains perdus tout simplement. Voilà, donc je vais d'abord casser un œuf dans un bol. Je vais ajouter un peu de lait végétal donc, et je vais venir mélanger, donc battre l'œuf. On ne pense pas forcément à faire ce genre de recette le matin et pourtant c'est trop bon. Donc ce que je fais c'est que je viens tremper
des tranches de pain dans les œufs. Donc moi ce que j'aime bien c'est prendre du pain complet. Bon là il n'y en avait pas. Donc je vide la poêle pour éviter que ça colle, puisque les œufs ça colle beaucoup. En général je cuisine à l'huile de coco. Ensuite je viens mettre mes tranches à cuire. Je pense bien à les retourner. Et je vous conseille de les manger chauds aussi. Donc là, encore une fois, vous pouvez y aller sur les toppings. Donc, je sais pas, du miel, tout ce qui est chocolat. Donc, j'ai une protein cream, des petits fruits, évidemment. Enfin, voilà. Tout pour décorer, pour que ce soit joli et que ce soit bon. Donc, je vais prendre des bouts de chocolat. J'en fais une, je pense, avec du miel. Il ne faut pas en mettre trop parce que même nature, vous pouvez manger. C'est super bon nature aussi. Et il y en a une où je vais mettre de la protéine crème. Et je finis par décorer avec mes petits fruits. Et voilà pour la petite recette de pain perdu. C'est hyper simple et c'est hyper bon. Genre, c'est trop bon. Donc voilà.